Et bonjour et bienvenue à tous sur la suite de sur ce let's play sur Game Dev Tycoon. Je venais de sortir le jeu Cro Blanc Côté, vendu à 27 600 exemplaires pour le moment. Je sais pas, j'avais pas d'imagination et j'ai sorti vraiment un nom de merde. Allez, c'est parti, on va faire un petit rapport. Jeunesse. Et si on fait un bon jeu, on pourra déménager. Du coup, je sais plus trop où j'en suis, donc je vais voir l'historique. Final Fantasy X, 28 000 exemplaires, Just Dance, Escapist, encore Final Fantasy X. Ok, beaucoup de jeux sur Commodore et un seul jeu sur NES. Très bien. Du coup, on a quoi? On recherche 6 bases du public, on peut toujours pas. Bon, du coup, c'est pas grave. Je regarde si créer un moteur, on a deux trucs qu'on n'a pas fait. Oui, on va créer un petit moteur là, avec le son mono et les didacticiels. C'est parti, on va l'appeler le V. Ou toujours pas d'imagination, VV. Voilà, V petit V, tranquille. On aura de l'imagination plus tard. Hein. Arrête de te gratter la tête. Ah, c'est chiant, quand il se gratte la tête, il travaille plus. D'un côté n'est plus en vente, il s'est vendu à 40 000 exemplaires. C'est pas mal, c'est pas mal. Aujourd'hui, la Sega a confirmé les rumeurs récentes au sujet d'une nouvelle console de jeu et a annoncé que la Master System. L'entreprise affirme que la Master System est techniquement supérieure à la NES de Nintendo et qui a connu un succès massif et prévoit un lancement dans les mois à venir. Donc, ils sont en train de nous dire que la Master System va démonter la Nintendo parce qu'ils sont meilleurs. Mais bon, après, malgré qu'ils soient meilleurs, ça va sûrement pas arriver. Hein. Enfin, l'histoire nous a dit le contraire. Hein. La Master System était bien, mais bon, on n'a pas battu la NES non plus. Hein. Elle était bien. J'en sais absolument rien. J'ai jamais joué sur Master System. Du coup, hop, le petit moteur est terminé, on va pouvoir faire la petite recherche. Sinon, j'ai pas beaucoup d'argent là. Hein. 30 000 pour ciblage public, non, on va sortir un autre jeu et après on verra. Du coup, choix du genre. Choix d'item. Donc on n'a pas beaucoup de thèmes. Du coup, ben, on va faire un petit jeu de musique. J'ai déjà sorti un jeu de musique, j'en sais rien, je suis un peu... Ouais, Just Dancing, jeu de musique. Alors, ouais, bah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Hein. Allez, on sort un petit jeu de musique. Quoique. Ah, je me tâte. Je ne voudrais pas tomber quand même en manque de pognon. Du coup, on va voir ce que je peux avoir comme nouveau thème. Enquête, entreprise. Ouais, du coup, on va faire un petit jeu d'enquête. Du coup, développer un nouveau jeu. Enquête, je crois qu'on va faire aventure. Non, aventure. Shot plateforme. Aventure moins. Ah bah du coup. Aventure plus, on va sortir ça sur PC. Choix du moteur, le V petit V. Et on va appeler ça les chroniques de Stéphane. Il est peut-être pas comme ça Stéphane, mais je m'en fous. Les chroniques de Stéphane. Dit la Master System. Ah putain. Aujourd'hui, Sega a sorti la Master System, sa nouvelle plateforme de jeu. Du coup, les parts de marché vont être encore plus divisées. Que ça va pas me coûter trop cher. Bon, du coup, on va mettre le max sur. Voilà, hop, moteur, on s'en fout. De moins, gameplay, on s'en fout un peu. On va quand même plutôt booster les aventures et quêtes. C'est quand même un jeu de détective. Hein. Si les aventures sont mal faites, ça fait chier. Du coup, j'ai pas beaucoup d'argent, mais en espérant que ce soit un bon succès, parce que sinon, dialogue, artificiel, on s'en fout. Et l'autre, on sait pas trop, donc on va laisser ça comme ça.
La Master System, console récemment sortie par Sega, a bouleversé le marché mondial. Les experts de l'industrie disent qu'elle a trouvé peu de débouchés sur le marché américain, mais qu'elle devrait avoir un succès dans le reste du monde. Apparemment. Bon, les experts ils disent beaucoup de conneries, du coup. Du coup, je suis pas trop là. Moi, je mettrais plus de design, un peu moins de graphisme, et un peu moins de son aussi. Bon, la suite nous le dira, hein, si j'ai raison. En tout cas, niveau design, il est pas mauvais, le jeu. 22, c'est pas mal. Continue à nous sortir des points de design, c'est pas mal. Allez, c'est parti. On termine. Aucun bug, c'est bon. Du coup, on fait un record de design, ça m'étonne pas. En espérant qu'il soit plutôt, qu'il se vende plutôt bien, parce que on a moins 15 000 d'argent, du coup, ça ferait chier s'il se vendait pas bien. Un petit rapport, voilà, les chroniques de Stéphane. Les premières critiques des chroniques de Stéphane de notre jeu viennent d'arriver. Ok, très plaisant. Bon, il va sûrement être pas mauvais, puisqu'on voit pas mal de 10. Presque parfait. 8, enquête et aventure font une superbe combinaison. J'adore. Bon, ça va. Voyons voir les autres notes. 8,25 de notes. 8. 6,5, 5,5, 7. Bon, du coup, on est plutôt sur une montée. Après, je sais pas s'il va bien se vendre. On espère quand même. Bon, 10 000, allez, 15 000 dès la première journée, ça va. C'est un jour être très important, oui. J'en étais sûr. Bon, du coup. Maintenant, on va pouvoir rechercher le ciblage du public, voilà. Ah, regardez, les ventes, elles ont bien commencé, mais elles ralentissent, hein. C'est ça, une étudiante. Kasule Gaming est un nouveau venu dans l'industrie vidéoludique. Est-ce que quelqu'un a déjà employé le mot vidéoludique? Mais nous attendons avec impatience à la prochaine production. Je remonte mon petit... Casual game. C'est du public, donc du coup, est-ce que je peux faire le casual game? C'est intéressant ça. Non, je peux pas. Bon, du coup, nouveauté, on a quoi? Histoire. Oh, gouvernement. On va faire une petite simulation de gouvernement. Les données de marché récentes montrent que la couvre d'or 64 semble perdre lentement des parts de marché par rapport aux autres constructeurs de PC. Une déclaration officielle d'un employé de la C64 plutôt rapporte que l'entreprise n'a pas su mettre sur le marché des ordinateurs plus onéreux pour les concurrents, les PC et les concurrents pour concurrencer les PC les plus récents et plus puissants. Du coup, ça c'est la vérité, la Commodore va faire faillite. Enfin, Commodore ça existe toujours aujourd'hui, je crois. Ils sortent toujours des ordinateurs, mais bon. C'est sûrement la fin de leur plateforme de jeu. Gouvernement. Et c'est parti, un petit jeu de gouvernement. Ça va être tranquille, tout public, oui. Quoique, non, on va faire un petit public averti. Parce que quand même, un jeu de gouvernement. Gouvernement, alors, on va jouer ça. On va appeler ça... Ruler of... Ambassadeur. Gouvernement, simulation bien sûr. Choix de la plateforme. Une simulation. Il vaut mieux qu'on fasse ça encore une fois sur PC. Choix du moteur. VV. VV. Gros graphisme. Après, c'est les PC sont mieux pour les publics avertis. Du coup, l'histoire de la quête, on s'en fout. On s'en fout même complètement de l'histoire de la quête. Hein. Le but, c'est d'avoir un gros gameplay. Simulation, quand même. Hein. Pas de quête dans une simulation de gouvernement. Du coup, intelligence artificielle, ça peut être intéressant, quand même, parce que si le gouvernement est débile mental, voilà. Le peuple est débile, monsieur. 41 000 exemplaires. Est-ce qu'on bat celui d'avant? Alors ouais, d'un tout petit peu on arrive à le battre alors qu'on l'a pas sorti sur NES. C'est globalement une bonne réussite. Nintendo aujourd'hui.
a annoncé la prochaine mise sur le marché d'une console de jeux portables appelée Game Boy. L'appareil sera équipé de cartouches de jeux interchangeables, un écran monochrome à fond vert, deux haut-parleurs intégrés, offrira même un support du multijoueur grâce à une connexion par câble. Bon blabla, la Game Boy moins puissante que les PC, les autres consoles de jeux, mais un petit prix fait qu'elle soit portable pourrait la rendre très populaire. Bonjour, je suis Steve O'Connell, journaliste de la planète GG, gros geek. Nous avons entendu une rumeur selon laquelle votre société serait en train de développer un jeu visant un public adulte. Seriez-vous prêt à en parler à travers une interview? Pas de problème. Merci de votre disponibilité. L'interview sera publiée la semaine prochaine. Ça va créer un peu d'engouement, hein. Planète GG a récemment publié une interview de Castle Gaming, la société est en train de travailler sur son premier jeu pour adultes. Rudy, propriétaire et PDG de Castle Gaming, il est un peu tout seul dans son jardin, enfin dans son truc, a déclaré « Nous pensons que les joueurs recherchent de plus en plus de contenu mature dans les jeux et nous sommes prêts à prendre les risques de leur en donner. De nombreux experts pensent que, tôt ou tard, les jeux avec les thèmes plus matures seront monnaie courante. Nous sommes curieux de voir comment le marché va réagir à l'arrivée de ce nouveau type de jeu. » Un petit engouement, c'est pas mal. Bon, 8 d'engouement, c'est pas terrible non plus, hein. Après, on pourra faire des 200, des 400 d'engouement, ce sera énorme. Là, là, c'est un peu... Voilà. Voilà. Allez, un petit record de technologie, ouais. On est sur une bonne égalité, là, ça, c'est pas mal. Du coup, tac, tac, tac. Casual game. Ah bah, ça, c'est plutôt des jeux un peu simplistes. Allez, donne-moi une bonne note. Oh putain. Oh non, ça fait un four. Excusez-moi, mais c'est quand même mon record de technologie, donc du coup, j'ai tout donné, quoi. Ah, c'est énervant. Ah, ça va pas être terrible. On va faire un petit rapport pour savoir qu'est-ce qu'on a raté. J'aurais dû te gratter la tête, hein. Non, voilà. Laisse ta tête tranquille. Oui, bon, je crois que c'est ce que j'ai fait, mais bon. C'est pas grave. Développons un petit nouveau jeu. Comment on pourrait faire? Bon, il n'y a pas trop faire de casual. Du coup, on va faire un petit Final Fantasy, comme on sait faire des familles. Je crois qu'on est au troisième quand même. Oui, c'est notre troisième, je crois. Petit RPG. On va sortir ça sur... On va pas acheter le truc de... On va sortir ça sur NES. Du coup, ça au moins on sait ce qu'on doit faire. Du coup. Ah, c'est pas terrible non plus ce qu'on donne niveau technologie là. Marketing débrouillé. Ouais, 20 000 exemplaires. On n'est pas très très bon pour le moment, hein. On pourrait faire mieux, hein. Je suis pas très très content de ce que je fais. Bon, tu le corriges ce bug? Voilà. C'est même pas moi la merde. Voilà. T'es de plus en plus nul, ce Rudy, hein. On va s'améliorer un peu. Thème. Pas ce que je veux en thème, ça me saoule.
J'aime bien avoir un peu de médiéval. C'est super facile de sortir des RPG médiévaux qui marchent super bien. Du coup, on va chercher faire un jeu d'histoire. Je vais essayer de déverrouiller de nouvelles choses. Découvrir de nouvelles saveurs. Agréable. J'en veux encore. Un petit 10 les familles, un petit 10 des familles. Ah non, il n'y a pas de 10 là-dessus. Magnifique, bon. Dès qu'on sorte un bon gros, bonne grosse puissance là. Je veux bien qu'on sorte bien de. Voilà. Voilà, si vous inquiétez, voilà, vous pourrez déménager le niveau suivant. Ça peut vous paraître beaucoup, mais ne vous inquiétez pas. Une fois que vous aurez développé un jeu à succès, vous deviendrez facilement tel homme. Vena, créateur d'un Zone Master 5, son système, vient d'annoncer sa Game Gear, une nouvelle console portable positionnée pour concurrencer directement la Game Boy. Pas de parole, non, ils ont affirmé blablabla qu'elle était plus puissante, blablabla. Et du coup, un écran de couleur, donc elle est censée surpasser la Game Gear. L'autre. Pas de nouvelles idées. Du coup, on a découvert un pirate. Ça c'est cool, pirate. Ah, on peut sortir un bon truc. Un jeu d'aventure de pirate. Allez, là on va se faire plaisir. On va sortir un bon gros jeu de pirate. Allez, aventure, oui. Sur NES toujours, oui. Ouais, de toute façon, Master System, ça prend moins de trucs, du coup, le VV. Alors, un jeu de pirate, comment on va l'appeler? Du coup, je cherche un nom, mais je trouve pas, du coup, on va aller. Pirate des chaussettes. Comment j'écris chaussettes? Chaussettes. Bon, il y a sûrement un accent, mais bon. Ou deux T. Oh, le mec, il est en train de. Il bug sur chaussettes. Bon, du coup, c'est pas grave, on s'en fout. Les Anglais comprendront rien de toute façon. Du coup, histoire et quête. Gameplay. On va plutôt comme ça. Il faut qu'on sorte un gros jeu là. Faut qu'on sorte un gros jeu. Histoire d'être bien comme il faut. Du coup, ouais, on va laisser place nette au dialogue. Mmh, 40 000 exemplaires, on est toujours dans la moyenne, mais on sort jamais d'énormes gros jeux. Il promet de pas avoir une technologie terrible, mais d'être joli ce jeu. Allez, on termine. J'espère qu'on va faire un gros succès parce que j'ai marre de me traîner des petits. De rester dans mon garage là, moi. Regarde tout ce que je peux déverrouiller, mais j'ai pas assez de recherche là. C'est dommage parce que là on est en train de s'enliser. On va faire, je sais pas. Monde ouvert, allez. Là, je suis encore déçu, mais j'arrive pas à sortir un énorme jeu. Toujours les mêmes notes, toujours les mêmes ventes, ça me saoule. On est en galère. Hein. Ça sera pas non plus pour cette fois, donc du coup, la grosse vente. Qu'est-ce que je rate? J'arrive pas à savoir qu'est-ce que je rate. On part exactement pareil que la dernière fois. Commodore est en faillite.
Enfin, c'est exactement ce que je fais, mais bon, je comprends pas. Ils ne veulent pas me donner une grosse note. De bâtard. Action. Cette fois, on va faire. Croc. Monsieur. Sur système a dépassé la NES. Du coup, c'est quoi ça? C'est action. Est-ce qu'il est action? Action, du coup, action. Bon, mais je vais essayer de sortir ça sur Game Boy. Game Boy, allez, c'est parti. Allez, un public jeune, hein, plutôt. Un jeu de Game Boy quand même. Hein. Game Boy, c'était pas les jeunes. On s'en fout d'histoire des caisses. Non. J'ai sorti 400 000 euros, c'est pas mal, mais bon. Il faut qu'on arrive à sortir l'énorme jeu qui va nous faire sortir de la mouise là, parce que. Voilà. Ils savent plus parler, il y a plus de dialogue. C'est un jeu muet. Putain, je suis pas bon, ça me saoule. D'habitude, j'arrive toujours à sortir un énorme jeu. Ah, c'est la pression de la caméra, ça fait toujours ça, tu vois. C'est toujours. Je voulais sortir un énorme jeu, mais du coup, non, je vais sortir un gros four à chaque fois. En plus, moi, je suis en retard au niveau des recherches, en retard. J'aime toujours être au top de la technologie. Mais non, t'es que ton historique du jeu, toi. Allez, un gros jeu. Donnez-moi les notes qui vont bien. Mec, mon mec, il a le niveau 3, j'ai 600 000 recherches à faire, regardez ça. Ah, j'ai horreur d'avoir des recherches pas faites. Et laissez-moi faire un énorme jeu. Donnez-moi un 10. Mais non, allez. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Genre agence de notation de merde. On a déjà vu mieux. Ah putain, a très bien servi ce jeu. Pourquoi vous me donnez 5 alors? Putain, mais c'est pas vrai. De connard, j'ai une note de merde, mais je vends super bien pourtant. Enfin, j'en suis super bien. Voilà quoi, j'ai rarement vendu comme ça. Allez, on va refaire les recherches qui vont bien. On va rechercher, on va faire de la 3D. Énervé là. Vous pouvez pas savoir à quel point. Pourtant, je suis rarement énervé. Hein. À part dans 75% de mes vidéos. Quoi? Bon, allez-y. Animal virtuel. Hein, vas-y, cool. Du coup, on en va vendre toujours la même daube. De rechercher comme des cons et sortir un nouveau truc de recherche en 3D cette fois. Allez, créer un moteur, c'est parti. Allez, il sera tellement nul qu'on va l'appeler le moteur Gollum. Tac. Sortir la Mega Drive, je suis toujours pas dans un vrai endroit quoi. C'est
ça m'était jamais arrivé. C'est... Enfin, ça m'est déjà arrivé de faire pire, de faire faillite dès le début, mais bon, quand même. Au bout d'un moment, tu t'en sors, quoi. C'est le désespoir. Bon, c'est pas grave. Tu te sortais des jeux, on dit à millions d'exemplaires, quoi. Ouais, c'est pas grave, je suis du thème. La virtuelle. Pour les jeunes. On va faire tout public. Casual. Game Boy. Nouveau Gollum. Animaux. Trop mignon. En espérant qu'avec ce nom, ils vont le prendre, hein. On va essayer de le faire en 3D. Ah, et voilà. Je vais me planter là parce que je sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse. Pas d'histoire de quête, normalement, c'est plutôt du gameplay. Bon, déjà que je suis dans la merde, si en plus je sais pas ce que je fais, je sors jamais de jeux vidéo d'animaux, je sors jamais de casual gaming. C'est bizarre. Normalement, il n'y a pas de dialogue, éditeur de niveau. On est plus sur le design à bloc. Dialogue, on s'en fout, normalement, c'est casual. Alors, je sens que je vais faire une grosse merde. Déjà que j'ai pas la forme. Ouvert. Graphisme. Voilà, comme ça, peut-être. Je sais pas ce que je fais. Et quand je sais pas ce que je fais n'importe quoi. Voilà. Voilà. 12 bugs. Le jeu le plus buggé de tous les temps. Dès qu'on arrivera à plus de 100 bugs plus tard dans le truc. Allez, enlève-le ce bug. Voilà. Allez, tu me saoules. Bon, on va direct créer un nouveau jeu. Il faut qu'on ait de l'argent pour le moment. Du coup, on va faire. Fantastique RPG. J'ai pas d'argent, je suis mort. Elle est sortie là, Oasis déjà. On met sur PC alors. Un Gollum. Putain, il faut vraiment que j'y arrive. Il faut qu'on sorte de notre trou paumé là. Non mais ça reste d'être un gros four comme tous les jeux que je sais pas ce que je fais. Voilà, un peu mieux faire. J'aurais pas oublié la partie son. L'accent blablabla a très bien servi le jeu. Je me suis tellement énervé que j'ai même pas choisi le nom du truc. C'est pas grave, on peut le modifier juste à la fin, du coup je le changerai. Ce sera un peu notre dernier jeu parce que ça fait quand même presque une demi-heure, ouais. Du coup, si ça ne sort pas de la merde, je sais pas quoi le pourra. Hein. Jeu 12, ouais. J'ai même pas donné de nom tellement j'étais énervé. Hein. Alors, l'appel. Aventure. Rhysis. Le soulèvement de l'aventure. On va arrêter un peu les Final Fantasy. Le premier. Putain, mais j'ai changé de nom. Oh, du coup, il s'appelle Jeu 12. Allez, aidez-moi. Sortez-moi un énorme jeu. 10, oui. Oui. Sortez-moi de la mouise. La mouise! Oui! Oui, mon précieux! C'est bien Gollum! C'est bien Gollum, le développeur de jeu! Oui! Oui! 100 000! Putain! C'est bon! Je me casse! Bouh!
Enfin, on va pouvoir revenir un peu au niveau de ce que je devrais être à ce moment-là du jeu, dans des bons locaux, avec le boss ici. Bienvenue dans vos nouveaux locaux. Maintenant que vous avez un plus gros blablabla, on va faire des meilleurs jeux. Voilà, on embauche comme des tarés. Oui, je vais faire une formation d'abord, une formation de gestion du personnel. Oui, laisse-moi sortir jeu 12. Dans ma tête, le jeu 12, c'est Aventure Rises, hein. Rises. Blablabla, mon jeu préféré. Enfin, on va sortir un jeu qui marche bien comme il faut, voilà. Du coup, j'embauche, c'est parti. On va balancer dans les 500 000. On peut balancer 500 000, bon, aussi, c'est parti. Non, pas de recherche particulière, on va juste prendre des mecs. Je vais en prendre deux d'un coup là pour pouvoir sortir des bons jeux. Et une fois qu'on les aura trouvés, on va prendre niveau 2, niveau 2, niveau 2. Mec, c'est un boss de la technologie. Du coup, on a un boss de la technologie qu'on va recruter. Et on va faire un boss aussi de la démo. Hop. Formation spéciale pour les nouveaux arrivants. Et toi, tu vas me faire un petit rapport sur jeu 12. Jeu numéro 12. Tu joues à quoi toi ce week-end? Jeu numéro 12, c'est un super jeu. On va essayer de trouver un mec qui est écrasant au niveau design. Au niveau 1, ça. Bon, mais niveau 2, alors, c'est parti. Ouf! On s'est sorti de la mouise. Bon. On va s'en tenir là pour aujourd'hui. Enfin, j'attends qu'ils aient fini tous leur petite formation là. Mes petites recherches, fais-moi des recherches, fais-moi des recherches sur marketing. Bon, on s'arrête là. On fait les recherches sur animal trop mignon. Et bon, allez. Travail sous contrat, blablabla. Bon, allez. Je vous souhaite une bonne continuation sur YouTube. Hein? Salut. Nous, je vais continuer à me battre avec cette équipe de bras cassés, là. Salut à la prochaine. Pour des nouveaux jeux encore mieux. Des jeux qui se vendent encore mieux. Plus de nouvelles consoles. Plus de 3D. Plus de technologie. On se revoit plus tard. Non, je n'ai pas pété de plomb, non, c'est ma voix normale, c'est juste que je me cache cette voix tout le temps. Fin de vidéo beaucoup trop longue, salut!